Wow, c'est officiel. TB Choix est au paradis. Qu'en pensez-vous, mes frères et sœurs? Qu'en pensez-vous? Si c'était bien, si c'était vrai, ce serait bien. Ouais. Mais je ne peux pas vous confirmer cela. Un homme ici, il nous dit qu'il a vu TB Choix danser avec les anges. Ah. Nous allons écouter ce témoignage, je parle, je essayer de faire la traduction en français pour vous. Soyez prêts. Écoutons ça. Greetings to you all. I am coming today Je viens aujourd'hui. for what Pourquoi? is a reason and is a special message. En fait, c'est un message spécial. Today, when I woke up, Ce matin-là, quand je me suis réveillé, June the 14th, today when I woke up with a dream. ce matin, quand je me suis réveillé là, je me suis réveillé avec un rêve. And in this dream, Et dans ce rêve-là, I saw Prophet TB Joshua. j'ai vu prophète TB Joshua. Rejoicing and dancing Il se réjouissait, il dansait with the angels avec les anges in the clouds. dans le ciel. And he's very happy, he's excited, he's dancing, he's looking down. Et il était vraiment très content, il était excité, il dansait. And I heard a voice that his spirit is there with his people. And this message goes straight to them, those who are making comments, negative comments against the prophet. Please do not make any negative comment against any man of God. Et il parle maintenant à toutes les personnes qui ont des messages négatifs à l'encontre de TB Joshua. Il dit vraiment, ne donnez aucun commentaire ou message négatif à l'encontre des prophètes de Dieu. Whosoever it is, I would urge you and pray in the name of Jesus. Do not do that. Ne faites pas ça. Because Prophet TB Joshua, was a man of God. Parce que TB Joshua était un homme de Dieu. And he is with the Lord, and his spirit is still with his people in Lagos. Dit qu'actuellement il avait Dieu, mais son esprit se trouve encore avec son peuple au Nigeria, à Lagos. His spirit is working. Et son esprit là travaille, ça peut travailler. He's rejoicing up there. I see heavens rejoicing. I normally do not come with these such messages, but today was something that the spirit has not given me rest. And I must come before you for the first time speaking about this man of God. Je dis vraiment, je n'ai pas envie de parler de cela, mais l'esprit ne me laissait pas en paix. C'est pourquoi je viens ici pour la première fois parler de cet homme. He is truly living and he is living in many hearts. May God bless you and may God bless his family. May the Spirit of the Lord guide you and teach you. Praise the Lord. Ok, où? On a entendu. Vraiment, cette affaire-là devient compliquée. Cette affaire-là devient compliquée. Qu'est-ce que vous en pensez, mes frères et sœurs? Qui veut le choix? Au paradis ou à l'enfer? Vraiment, moi, je ne comprends plus. En tout cas, nous tous, on dort. Nous tous, on sait comment on dort. Souvent, quand on s'endort, on fait des rêves. D'autres ont des songes. Il y a quand même une différence entre un rêve et un songe, non? Quelle est la différence? Faites ça en commentaire, donnez-moi la différence entre les deux.
Mais pourquoi est-ce que moi depuis, il n'a pas encore vu ça? Moi, je n'ai rien vu, hein. Je n'ai rien vu, je ne peux rien vous dire. Comme je n'ai rien vu, je ne peux rien vous dire. Les gens racontent des trucs. Les gens disent que, oh, Tibi Joshua a l'enfer. Puisqu'il n'a pas accepté Jésus, et il fait des miracles mensongers. Est-ce que moi, j'étais là-bas pour voir? Est-ce que moi, je savais ce qu'il faisait au fond? De toute façon, Dieu m'a appris à ne pas faire confiance en l'homme. Il m'a appris à faire seulement confiance à lui. Donc, tout ce que l'on fait, ça ne fonctionne pas. Tout ce que l'on fait, ça ne dit rien. Parce que l'homme est fait de chair. Il ne faut jamais avoir confiance en lui. Donc, je regarde. Je ne peux pas non plus dire que Tibi joue en enfer juste comme ça. C'est comme DJ Arafat, il était décédé. Et on attendait les gens dire que, oh, DJ Arafat, il est en enfer. Et on disait ouvertement, oh, DJ Arafat, il est en enfer. Moi, je ne peux pas dire que quelqu'un est en enfer parce que je ne sais pas où moi je vais aller. Mais, quand il n'a pas encore ton ticket pour le paradis, tu sais qui c'est où est qui? Où est celui-là? Où est passé celui-là? Tu sais qui c'est où est passé le voisin? Tu sais qui c'est où est passé la voisine? Alors que quand la tentation arrive, tu as des problèmes à la maison, tu trembles sur toi. Blouh! Quand la petite goutte du quartier te touche un peu. Oh! Seigneur, viens me délivrer. Faut pas te couper de tes oignons, hein. Faut voir les gens en enfer, c'est moi. Un jour, tu allais leur dire bonjour. Ça t'est tourné. Les frères et sœurs, aimez-vous les uns les autres. Aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, c'est devenu comme une belle opportunité pour certaines personnes de se venger, de dire des choses, de dire des trucs. Mais moi, vraiment, bon, je ne peux pas. Je ne peux pas mentir. Je n'ai pas dit que j'ai vu un truc alors que je n'ai pas vu ou bien. Sinon, Yann Souban ne serait pas Yann Souban. Et si Yann Souban ne voit pas les chats, tout le monde peut vous mentir, mais ici, là, on ne peut pas vous mentir. Si je ne sais pas, je vais vous dire que je ne sais pas. Je n'ai pas voulu vous dire que je sais. Si y a un truc, je vous dis, oh, mais frère, regardez, écoutez ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous amenez vous-même à réfléchir, comme c'est le cas de cette vidéo. Est-ce que le paradis existe? Est-ce que l'enfer existe réellement? Est-ce que Dieu est tellement si méchant qu'il a préparé l'enfer pour l'homme? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Quand Dieu s'est fâché contre l'homme, il a voulu lui aussi, il a tout gâté, il a gâté le coin. Il y a eu beaucoup de morts. L'eau a emporté les âmes des gens. Où sont passées toutes ces personnes-là? Si l'enfer existe, c'est que toutes les personnes qui sont restées dehors, toutes ces personnes qui n'étaient pas dans l'arche là, dans l'arche de Noé là, c'est que toutes ces personnes-là, en fait, sont allées en enfer, quoi. Oui. Maintenant, quand vous regardez la méchanceté de l'homme aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le travail que Dieu a fait à ce niveau-là, ça a eu des effets? Bien que les gens soient au courant que Dieu, un jour, a balayé le monde par l'eau à cause de la méchanceté de l'homme, l'homme reste toujours méchant. L'homme, il reste toujours méchant. L'homme ne va jamais changer. N'ayez jamais foi en l'être humain. Faites confiance en Dieu. Si ce sujet vous intéresse, laissez beaucoup de gens pour l'informer. Vous pouvez également prier et vous-même demander à Dieu ce qu'il en pense de cette histoire. Si Dieu vous donne une réponse, regardez ça en commentaire ici. Dites-moi, donnez-moi une réponse. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Même si vous mentez là, je vais vous gifler en esprit. Ok, vous tombez dans la prochaine vidéo.
Ce n'est pas pour la bonne voiture la croisée, ce n'est pas pour le d'eau. Nous venons de nous réveiller et nous sommes chauds. Soyez prêts.